Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment dry dans Fruity Flanjus. En fait le dry ça permet de mettre plus ou moins le son de l'effet de base. Donc si je le mets là, on va entendre le son plus l'effet, alors qu'ici on va entendre juste l'effet. Alors je vous montre, je vais enlever le wet et je vais mettre celui-ci. Et donc là on entend que le son de base et pas l'effet. Et là on n'entendra pas vu qu'on n'aura pas d'effet. Vu que j'ai mis le wet ici. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dans la description il y a une formation sur FL Studio et au revoir.